2002, c'était une femme qui était candidate et qui allait succéder. Puis ensuite, donc j'ai pris la décision de ne pas me représenter, aux élections municipales. Il faut raisonnablement, après une durée aussi longue finalement, savoir dire je m'arrête. Je suis surpris parce que je pensais qu'effectivement il allait continuer, il allait au moins essayer de gagner cette élection-là pour passer la main en cours de mandat. C'est vrai qu'il va manquer, mais heureuse d'apprendre qu'il va y avoir du changement et j'espère du changement positif. Il a fait ce qu'il avait à faire, je crois qu'il est temps qu'il passe la main et qu'on change un peu de paysage. Déjà depuis l'été dernier, c'est une question que j'ai eue. Voilà. Après, au début j'avais commencé... Il n'y a pas de candidat légitime, mais il y a des gens avec lesquels je trouve qu'ils ont de bonnes raisons de s'engager. Et je serai amené sans doute dans la suite à le dire. Sur ce secteur-là, je pense qu'on a une image d'expérimentation sociale, au bon sens du terme. C'est simplement quelques axes, je pense, qui illustrent un peu cette période-là. J'aime lire, je vais sans doute écrire un peu plus que je ne le faisais, parce que j'aime l'écriture. J'aime surtout ceux qui écrivent bien, moi j'écris moins bien, mais ce sera l'occasion de faire des progrès.